WordPress, le bloc médias et texte. Le bloc médias et texte va permettre de juxtaposer une photo avec juste à côté un petit texte. On va se servir de cela dans notre pied de page, toujours dans la deuxième colonne. Sous ce menu, j'aimerais mettre une petite publicité avec un t-shirt et puis à côté un petit texte indiquant qu'on va faire des flocages pour 3 euros. Alors, pour faire ça, on bascule dans le mode, dans le back-office de notre site web. Là, je suis dans le back-office. On va à présent, comme d'habitude, aller dans Apparence, Éditeur. Et puis, nous allons retourner dans notre pied de page. Il se trouve ici. Je rappelle que pour rentrer dans le pied de page, il faut cliquer sur le bouton Modifier. On va ajouter un bloc espacement, que l'on va régler à 40 pixels pour faire un petit espacement, enregistrer. Et puis on va rajouter maintenant un autre bloc qui va s'intituler le bloc médias et texte. Donc médias et texte. Voilà, donc je vais pouvoir, dans un premier temps, dans la zone de médias, téléverser une image. Donc cette image, je vais aller la chercher dans mon package de ressources. Je vous le mettrai, bien entendu, comme d'habitude, dans la description, si vous voulez refaire le même site que moi. Donc je vais rapidement le chercher. Il est chez moi dans mes téléchargements. Ici, dans package de ressources. Et là, je vais chercher l'image qui s'intitule image.jpg, tout simplement. Voilà, c'est celle-ci. Ouvrir. Cette image, on va la placer ici. Donc, vous voyez, elle s'est placée bien sur la partie gauche. Sur la partie droite, je vais rajouter un texte. Le flocage de votre t-shirt pour 3 euros seulement. Non, 3 euros avec un texte personnalisé. Alors, ce que l'on va faire, c'est peut-être essayer de réduire un petit peu cette image parce qu'elle est un petit peu grosse. Donc, du coup, largeur du média, on va réduire un peu. Voilà, ce qui fait quelque chose de plus sympathique. On va peut-être même essayer de descendre à 20. Après, ça, c'est question de goût et couleur. Comme ça tient sur deux lignes. J'ai ici donc mon bloc média et texte qui a permis de mettre une image avec un petit texte à côté d'une extrême simplicité. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour prendre connaissance de tous ces nouveaux blocs, thèmes, extensions que je vous présente vidéo après vidéo. À très bientôt. Ah non, c'est une petite chose, on va enregistrer, on va quand même regarder ce que cela donne. On actualise la page. Et nous retrouvons bien notre média et texte ici, ce qui est assez sympathique. Voilà, très bonne journée.